comme bienvenue sur... Fresh! Bienvenue à tous, bienvenue sur Fresh. On va passer encore une fois un... Excellent moment. C'est 2021, c'est la Fashion Week, c'est la fashion, ça y va, on veut-tu, en voilà. Et aujourd'hui, donc, on se retrouve pour cette émission Jeunes Chrétiens. Par où commencer? On va répondre à cette question qu'on peut souvent se poser. Je me suis converti il y a quelques temps, j'ai accepté Jésus il y a quelques temps où je débute dans les choses de Dieu, je démarre dans les choses de Dieu. Par où commencer? Ou peut-être, tout simplement, tu es chrétien et tu es jeune en âge. Quoi faire, tout ça, on va donner des astuces, des tips, on va bien rigoler et ça va être surtout très édifiant. Ce soir, on a sur le plateau tout d'abord un public, un merveilleux public. Il y a des gens agités. Ça me rappelle la dernière émission, c'était avec toi. Tu te souviens, Pascal qui était dans le public, qui disait J'espère qu'il y a un public aussi vivant. Et on a ce soir sur le plateau avec moi, à ma droite, à ma gauche, une équipe de wonderful chroniqueurs. On va commencer. Vous avez qu'un petit nouveau, il y a un petit nouveau. Ça manquait de garçons, ça manquait de masculinité, ça manquait de virilité. Il n'y avait que des filles, il n'y avait que Steven. Bon, il y avait d'autres garçons. Mais c'est vrai que voilà, ça manquait un peu. Bon, on commence par le présenter lui. Alors, comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Christian ou Cristiano? Ou Cristiano, ok. Donc, on t'appelle comment? Cristiano. Cristiano. Ok, vous allez voir, Cristiano, on va voir un peu c'est quoi son style un peu en tant que chroniqueur. Est-ce qu'il est plutôt drôle? Est-ce qu'il est sérieux? Oh, j'ai plus l'impression qu'il est sérieux. Lui, c'est l'éducation. Lui, c'est la parole. Lui, c'est les profondeurs. Lui, c'est l'esprit. Voilà. Et on a juste à côté de lui, O-double-L-E-E, Oli. Sous acclamation, on a en face de Cristiano, Indie Like, Indie Rasso, sous acclamation. On a la star de Friends. Il n'y a qu'une star à Friends. C'est Jésus, pas toi. C'est Jésus. Mais après Jésus, la star de Fresh, vous le savez, c'est le Axe. Attendez, je vais l'annoncer. On l'appelle le Axe. On l'appelle Steve Kong. On l'appelle Stevie. On l'appelle la Pompi. On l'appelle Steven. Viker. C'est les petits surnoms qu'on lui donne. Aujourd'hui, tu t'appelles comment aujourd'hui? Steven. Non, mais c'est quoi ton surnom de l'émission là? Ah, le Axe. Non, mais un nouveau, vas-y. Un nouveau? Non. En fait, il est trop drôle. Lui, en fait, il sait pas quoi répondre. Il est embarrassé. Quand il s'est contrôlé par la police, qu'est-ce que vous faisiez? Vas-y. Assure-toi. La chrétienté? Non, chrétienté, en vrai, c'est pas Pompidou, je sais pas. Pompidou? Non, Pompidou! Vas-y, t'as pas un surnom? Non, pas du tout. Là, j'ai. Mais, non? Là, vas-y, comme ça, regarde devant, je sais. L'eau? D'accord, on l'appelle L'eau! Et on a le bounce! On va baptiser le bounce! Le bounce, je le rappelle, c'est vraiment l'engin, le matériel que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez rebondir. Bon, dans un premier temps, avant de définir exactement avant de donner des conseils pour la jeune vie chrétienne, tout ça, on va d'abord définir c'est quoi concrètement être chrétien. Chacun dans notre définition. Qui commence? Moi. Qui commence? Moi. D'accord, donc Steven, vas-y. Je rigole, vas-y. Être chrétien, c'est faire comme Christ. Voilà. Être chrétien, c'est faire comme Christ. Ok, c'est-à-dire. On est chrétien. Donc être chrétien, c'est faire comme Jésus. C'est faire comme Jésus. Être chrétien, c'est un petit Christ, une descendance de Jésus. Le chrétien, c'est un petit Jésus. Ouais, du sens où c'est la relève. Voilà, c'est ça. Sans successeur. Sans successeur. Cristiano, première intervention. Je me sers un petit verre de ma droite. Vas-y, on t'écoute. Pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un qui laisse Christ vraiment régner et dominer dans sa vie. Ok, amen, c'est ça un chrétien, Indy. Un chrétien, c'est quelqu'un qui accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans son cœur et qui croit que il est ressuscité pour lui et que il peut, comme Cristiano, régner dans sa vie. Amen, exactement. Là, vous avez tous donné une définition un peu. Voilà, toi, ta définition, c'est faire comme lui. Oui. Toi, ta définition, c'est être comme lui. Toi, c'est
le laisser régner. Et toi, c'est l'accepter. Ok, c'est quatre définitions différentes. Qui a une autre définition encore? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut dire sur ce que c'est le chrétien. Des fois, vous savez, je pense que des fois, notre vie chrétienne n'est pas puissante parce que déjà, on ne comprend pas vraiment ce que c'est le chrétien. Des fois, on ne comprend pas clairement. Des fois, on a l'impression que, voilà, être chrétien, c'est je me suis réveillé un matin, bon, on m'a invité à une réunion, on m'a parlé de Jésus, on m'a donné un verset. C'est pas que ça, être chrétien. Voilà, c'est véritablement pas que ça, c'est bien plus que ça. Amen. C'est une appartenance, c'est quelque chose qui se passe spirituellement, c'est un bon nombre de choses. Et surtout, c'est des droits auxquels on a accès parce que le chrétien, c'est l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'on devient chrétien, on devient enfant de Dieu. Voilà. Il y a les créatures de Dieu, c'est ce que Dieu a créé, mais il y a les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont ceux qui ont accepté Jésus. Et le seul moyen qu'il ait donné à l'homme pour devenir enfant de Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, le recevoir dans son cœur. Et dès qu'on le reçoit dans son cœur, c'est quoi le recevoir dans son cœur? C'est l'accepter. C'est l'accepter, fermer les yeux. Voilà, et le confesser de sa bouche aussi. Le confesser, par exemple. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, ta. Enfin, la prière de repentance. Ce qui se passe, c'est que tu reçois le Saint-Esprit, il vient habiter en toi. On va pas aller dans les complications, mais tu deviens enfant de Dieu. Tout simplement. Amen. Qui d'autre a une définition un peu de ce que c'est être chrétien? Une nouvelle créature, tu appartiens à Dieu. Une nouvelle créature qui appartient à Dieu, vas-y. Une nouvelle vie aussi. Une nouvelle vie. C'est ce que j'allais dire. J'aimerais rajouter que ce que c'est pas une idée, c'est pas un principe, c'est pas un concept, c'est pas une religion. Amen. Ça, c'est très très bien. Ça, il faut vraiment le définir, c'est que c'est ni une idée. C'est pas une idée à laquelle on adhère. Ouais, mais j'aime bien l'idée de Jésus, là, ça a l'air intéressant. J'aime bien son bail, là, ça. On dirait une sœur qui s'appelle Bénédicte qui interviendra bientôt. Nouvelle chronique sur Fresh. Guys, on arrive à la saison 2. On est en train de remodeler les équipes. Je garde les bons chroniqueurs, les chroniqueurs pourris. Je rigole, mais on aura des nouveaux chroniqueurs, vous allez voir. La saison 2, d'ailleurs, on prépare des trucs de ouf. Mais on arrive. Donc, être chrétien, c'est ne pas adhérer à une idée. C'est pas d'adhérer à un prince, adhérer à un principe. Oui, j'aime bien l'histoire de Jésus, là. Ça m'a l'air bien, ça. Ouais, ça se tient, ça tient debout. Ouais, ça tient debout, cette idée. Non, c'est quoi? C'est une rencontre avec Dieu. C'est croire véritablement que c'est la vérité et c'est l'unique vérité. Amen. C'est quoi d'autre être chrétien? Allez, on y va. C'est une relation aussi avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. C'est une relation avec Dieu. Ou du moins, c'est le droit, l'accès de relation avec Dieu. Parce que c'est pas, la vie chrétienne, c'est pas une relation avec Dieu. Enfin, plutôt, le fait d'être chrétien, c'est pas une relation avec Dieu. Mais le fait d'être chrétien nous confère, nous donne l'accès et le droit à une relation avec Dieu. En fait, je crois vraiment que la vie chrétienne, c'est vraiment un autre truc. C'est vraiment différent. C'est ça. Différent. C'est vraiment le contraire vraiment du monde. C'est vraiment le contraire du monde. Tout le monde est, voilà, t'as une nouvelle identité. T'as droit, comme on a dit, à une relation avec Dieu. Voilà, t'as aussi des anges qui marchent avec toi. Tu peux faire des nouvelles choses. Tu prends conscience de certaines choses. Et ta vie change aussi. Tu peux faire de nouvelles choses, ça a l'air super génial. Faire de nouvelles choses. Bon, qui peut vraiment définir la vie chrétienne, s'il vous plaît? Faire de nouvelles choses. Qui est la vraie définition? Allez, on y va. Apprendre à voir Dieu tel qu'il est réellement. On y va ensuite. Allez, on y va. Un mode de vie changé, on y va. Une vie surnaturelle. On y va. Tu prends une vie où tu es en contact avec Dieu. Voilà, en contact, en communion avec Dieu. On y va. Le premier qui... Une vie où t'es la tête et non la queue. Le dernier qui n'a plus de truc à un gage à la fin de l'émission. Vas-y. Pouvoir communiquer avec Dieu. Non, pouvoir communier, il l'a dit. Vas-y. Parler avec Dieu. Ok, oui, c'est la même chose, mais bon, on passe. Vas-y. Ne plus être limité par la nature. Impacter tout le monde. Un successeur de qui? De Christ. De Christ. Oh. Allez, on compte jusqu'à 3. 3. Être chrétien. 2. 1. Voilà, très très bien. Donc, elle aura un gage à la fin de l'émission. On dira, tu es responsable du gage, tu dois trouver le gage à la fin. Un vrai gage, on dira. Qu'elle puisse danser ou un truc comme ça. Qu'elle puisse faire un truc vraiment. Ok, c'est bon, je sais. Vas-y, c'est quoi? Tu vas devoir faire un freestyle, comme t'as perdu de l'inspiration, tu vas devoir en trouver. J'ai une question, Indira, pourquoi est-ce qu'on ne fera pas le freestyle maintenant? Vas-y, on peut l'encourager un peu. Vas-y, Indy.
Vas-y, Oli. Go, Oli. Vas-y, Oli. Attends, peut-être qu'on a un son à la régie. Peut-être qu'on a un son à la régie, je ne sais pas. Peut-être qu'on fait signe. Peut-être qu'on a un son à la régie. Bon, en attendant, vas-y. Non, non, Go. Je m'appelle Oli. Je suis conduit par l'esprit. Je m'appelle Oli. Je suis conduit par l'esprit. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Je ressuscité, m'a réanimé, je vis en son sein, et je le fais rencontrer. Aucune rime, mais vas-y. Ok. Le moment le plus gênant de l'émission, vas-y. On m'appelle le rat, je tourne à fraîche. Ok, est-ce qu'on a une musique? Est-ce qu'on a une instru? Vas-y, Indy, vas-y. Ok. Jésus dans ma vie. Jésus dans ma vie. Je suis chrétienne. Je suis conduite par l'esprit. Lorsque je suis à fraîche, on est en train de prêcher. Du coup, voilà, devenir chrétien. Amen. Si on a une instru, on la met, on voit, je vous montre. Donc, quand on devient chrétien, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on naît de nouveau, on rentre dans la famille de Dieu, tout simplement. On devient un enfant de Dieu. Et le ciel, on va dire comme ça, nous est ouvert. Voilà, on sait où on va passer notre éternité, on sait qu'on va la passer avec Dieu. Si on commence une nouvelle vie avec Dieu, c'est pas pour la terminer après notre mort, c'est pour justement la continuer après notre mort, toujours avec Dieu, tout simplement. C'est ça être chrétien. Une petite question, vous, un petit truc que vous trouvez très très cool dans la vie chrétienne. Vas-y, on y va. Très très cool, toi. L'adoration. La capacité de pouvoir adorer. Avoir un contact de ton cœur avec Dieu, la présence de Dieu. La présence de Dieu. Moi, c'est, je dirais, l'omniprésence, le fait qu'il habite en nous et le fait qu'on peut lui parler de tout et de rien tout le temps. Amen. Le fait qu'on peut avoir cette relation avec Dieu, on fuit tout ça. Yes. Cristiano Ronaldo. Justement, son accessibilité. Accessibilité. Ça, c'est vrai. Parce que c'est vrai que dans le monde, ou du moins la religion en général, nous peint une image de Dieu qui est vraiment, j'ai l'habitude de dire ça, un grand monsieur avec une barbe blanche, sur un grand trône. Alors que Dieu est véritablement tout le contraire dans le monde. Pour accéder à Macron, qui a le numéro de Macron ici? Pas moi, lui, non. Dieu, non. Personne, n'est-ce pas? Non. Qui a le numéro de Obama? Non. Qui a le numéro de Robert De Niro? Non. Qui c'est? Quel numéro de et qui d'autre encore? Neymar. Donald Trump. Neymar. Voilà, Donald Trump. Personne. Non. Mais qui ici peut parler à Dieu maintenant? Waouh. Voilà. Et c'est ça qu'il y a de. Il n'y a, a qu'une personne en public qui peut parler à Dieu. C'est ça le truc, c'est que dans le monde en fait, les personnes célèbres, les personnes importantes, on a l'impression qu'elles sont vraiment inaccessibles. Et il y a un contraste avec Dieu, c'est que Dieu étant la personne la plus connue de l'univers. Vous savez, Donald Trump va dire un truc, j'ai vu une vidéo, on lui a demandé, bon en ce moment là c'est chaud pour lui, hein. C'est vraiment chaud pour lui en ce moment. C'est chaud pour lui. Non, ce qui paraît, c'est un frère en Christ en plus. C'est ça, un frère en Christ, vraiment frère. Non, voilà, non, frère, on est vraiment ensemble. Enfin, bon, j'ai pas de problème donc. Allez. Chacun ses problèmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Allez, sois béni et amen. Joe Biden, allez. Je rigole, je ne commence pas sur la politique. Ici, vous connaissez la politique des États-Unis? Non, pas du tout. Non, voilà. C'est qui le président de la France? Monsieur Macron. C'est qui le Premier ministre? Voilà, donc déjà qu'on a du mal avec la France, c'est pas maintenant avec les États-Unis qu'on va se concentrer. Amen. Voilà, déjà que moi je connais Ilsong, Bethel, ça va. Les porteurs de réveil, ça y va. Ça y va, quoi. Voilà, tout simplement ça.
Donc je disais cela, c'est que dans le monde, en fait, il y a un contraste terrible entre tout simplement le monde et Christ. C'est que dans le monde, quelqu'un de célèbre, quelqu'un de connu, quelqu'un de réputé, quelqu'un, une célébrité, en fait, c'est quelqu'un de vraiment injoignable. C'est quelqu'un vraiment de trop occupé, quelqu'un qui n'a vraiment pas du tout le temps pour nous, qui est vraiment, voilà, pour lui parler, tu dois prendre 3000 rendez-vous avec sa secrétaire, et avec la secrétaire, sa secrétaire qui te contacte, son assistant contacte son beau-frère, son chat et son oncle. Bref, alors qu'en Christ, aujourd'hui, on a le droit de contacter la personne la plus célèbre à tout moment. Et quelqu'un disait cet exemple-là, c'est que même aux toilettes, on peut parler à Dieu. Dans la cuisine, on peut parler à Dieu. À tout moment, on peut parler à Dieu pour recevoir ses conseils. Et l'exemple que je donnais, tu me diras par rapport à... Donc, je disais quelque chose, c'est que Donald Trump va dire quelque chose de très marquant, je trouve. Il va dire, vous savez, un journaliste m'a dit, est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous sentez le fait d'être la personne la plus connue du monde? Parce qu'à première vue, aujourd'hui, la personne la plus connue, c'est peut-être lui, hein? Non? Quand on y pense comme ça, c'est peut-être lui. Et lui, il va dire quelque chose, il va dire, vous savez, beaucoup disent ça, mais il y a une personne qui est bien plus connue que moi. Il y a le boss des boss. On lui a dit, quelque chose, on lui a dit, vous êtes la personne la plus connue, sûrement une des personnes les plus puissantes de la planète, parce que vous êtes président de la plus grande puissance du monde, quoi. Plus battant président, mais il fut un temps où. Et il va dire quelque chose, il va dire, voilà, c'est vrai que je suis très très puissant, c'est vrai que je suis très connu, mais il y a un big boss. Et il dit, ce big boss là, il est bien plus connu que moi. Et il y a quelque chose dont je disais, il y a un contraste entre Dieu et les hommes, c'est que les hommes peuvent être un peu busy, plus ils ont des responsabilités, plus ils sont connus, plus ils sont célèbres, plus ils sont injoignables, inatteignables, plus ils sont, c'est comment on dit, incontactables, inaccessibles. Alors que Dieu, c'est un contraste, c'est totalement la dissonance. C'est vraiment un contraste terrible. Dieu, bien qu'il soit Dieu, bien qu'il soit le grand des grands, le roi des rois, le king of kings, on peut le contacter à chaque moment. C'est toi qui parlais donc de l'omniprésence, c'est, ça, c'est pour ça. Non, c'est toi qui parlais de l'accessibilité. L'accessibilité. Ok, et c'est qui alors qu'on n'a pas interrogé, c'est toi? Toi, c'est quoi ce truc là qui te plaît dans la vie chrétienne? Moi, c'est le fait en fait qu'on apprend toujours plus. Et surtout en fait, au niveau de Dieu, c'est-à-dire que c'est une personne, il y a toujours plus en fait à apprendre. C'est-à-dire qu'on n'en a jamais assez, en fait. Il y a toujours plus à nous offrir. Il y a pas, comme s'il n'y avait pas de limite, en fait. Il y a toujours plus, et ce qu'il y a vraiment de bien dans le fait qu'il y a toujours plus, c'est qu'en fait, plus tu as plus tu te rends compte qu'il y a plus. Tu vois, si vous voyez ça, qu'au début, tu te dis, bon, voilà, j'ai accepté Jésus, je suis né de nouveau, je vais à l'église dimanche. Mais tu grandis et tu te rends compte, my God, mais il y a bien plus. Et plus tu accèdes à plus tu te rends compte qu'il y a plus, en fait. C'est incroyable. Je pense que même le fait d'être mature, on va dire, dans sa vie chrétienne, c'est le fait de plus tu reconnais en fait que tu ne connais pas, plus tu grandis. Parce que du coup, tu as accès à plus. Quand tu sais tout, je sais tout, mais quand tu avoues que tu sais pas, il y a plein de. C'est vrai que c'est un signe de maturité, ça se rend compte de. Il y a quelqu'un qui dit que ce que je sais, c'est une goutte d'eau, et ce que je ne sais pas, ce que j'ai à apprendre, c'est l'océan. Ça, c'est vraiment, vraiment terrible. Et la vie chrétienne, c'est vraiment comme ça. Mais on ne peut pas s'ennuyer. En fait, c'est une quête de profondeur. Il y a toujours plus, en fait. Il y a vraiment toujours plus. Des fois, on peut se dire, non, mais peut-être qu'à un moment donné, j'ai fait le tour, quoi. Non, c'est vraiment compliqué de faire le tour. C'est vraiment chaud de faire le tour. Une vie entière ne suffirait pas à faire le tour. Voilà pourquoi on passe l'éternité avec Dieu. L'éternité pour comprendre, pour faire le tour. Maintenant, les questions ont posé un peu. Et j'aimerais un peu savoir qu'on parle un peu, de vie chrétienne, tout ça. J'aimerais que vous puissiez nous raconter en une minute chacun un peu vos conversions. J'aimerais que vous puissiez nous raconter un peu vos conversions. Pourquoi tu rigoles déjà? Toi, ta conversion était vraiment marrante. On va passer un peu une rubrique story time, on va parler un peu de tout ça. It's now, c'est parti pour la rubrique story time. Oh, ils l'ont même dit. Hey guys, de retour donc sur la rubrique Story Time avec Cristiano, Oli, Indira, Steven et le maire républicain. Je disais... Le public est très fâché aujourd'hui. C'est pas des lunettes, c'est une blague, hein, ces lunettes-là, je les porte pas. Je disais donc, racontez-moi un peu votre conversion. Comment est-ce que ça s'est passé? Racontez-moi un peu. Comment est-ce que ça s'est passé pour chacun d'entre vous? Comment vas-y, racontez un peu votre vie. Allez, on vous écoute. Qui commence? Allez, on va rigoler un petit coup. Allez, on y va. Moi, je suis arrivé là. Donc, toi, tu étais quoi un peu? On a déjà raconté dans certaines émissions, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas raconté les témoignages. C'est vrai. Toi, tu étais, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Moi, avant, c'est normal, frère. Je travaillais. Où ça? Commissaire de la Micra, vous travaillez où? Non. Non?
tu vendais de la shit. De la shit. Tu vendais du shit. Dans le passé, ouais. Oui, mais il y a pas de passé. C'est le passé. C'est le passé, en fait. Ouais. Et voilà. Je travaille aussi. j'étais voilà, mi-ange, mi-ange. Oui, donc. Du coup, un jour, tout ça, j'avais. J'étais un délinquant. Oui, j'étais un délinquant. Voilà, merci. J'étais un délinquant. Et un jour, comme ça, il y avait un ami à moi qui me dit ouais, mes sœurs, ils vont dans une réunion, il y a beaucoup de jeunes. Que ça. J'animais à l'époque. Oui. Ça fait 3 ans, 4 ans, ouais. Il me dit il y a beaucoup de jeunes, venez, tout ça, on parle de Dieu, tout ça. Et moi, j'aimais Jésus, hein. J'aimais vraiment Jésus. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, ça peut être bien parce que moi, j'allais dans une église avec des papas. Ouais. Avec des papas, et tout, bon, j'allais, je suis venu. Et là, c'était, tu prêchais. D'accord, mais du coup, l'émission s'appelle pas Steven raconte ton témoignage. Franchement, c'est bon. Parce que là, en fait, heureusement que j'ai une montre. Hein oui, donc. En fait, bah, quand je suis venu dans la réunion, j'ai senti la présence de Dieu. Amen. Quelque chose que j'avais jamais senti. Amen. J'ai senti un amour vraiment sincère et amen. L'amour de Dieu. Bah, amen. Et t'as rencontré Jésus, en fait. J'ai rencontré Jésus. Et après, tu l'as accepté. J'ai accepté, j'ai avancé avec lui. Voilà. Et aujourd'hui, tu es le Rax. Ah, le passé oui. Est. Passé. Toutes choses sont devenues. Ouais. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tout simplement. Amen. Tina Girl, yes. Tell us. Bah, moi, comment est-ce que j'ai rencontré Jésus? Tout simplement, bah, on m'a invité à l'église. Ouais. Et bon, de base, je voulais pas trop venir, mais bon, un jour, bah, je me suis dit, ok, bon, ouais, c'est parti. Donc, je suis venue à l'église. Et dès que j'ai mis un pied, littéralement un pied dans l'église et tout, j'ai commencé à, wow. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé montre à sentir. Montre un peu tes chaussures, wow. Vas-y, monte. Montez. Waouh, dès qu'elle a. Wow. C'est le pied de la conversion. Waouh. Wow. Ouais, dès que t'as mis un pied à l'église. Ouais, dès que j'ai mis un pied à l'église, je suis arrivée au moment de l'adoration. Mmh. Et directement, j'ai senti toi, la présence de Dieu. Pourtant, tu n'avais aucun rapport avec le christianisme. Je connaissais j'étais pas. J'étais même musulmane, de background musulman, tout ça, tout ça. Exactement. Et j'étais. Bon, pas. En fait, je comprenais vraiment pas Jésus et je voulais pas connaître, comprendre. En fait. Je voulais pas comprendre, oui. Voilà. Mmh. Et du coup, bon, bah, il m'a rattrapé tout de suite, quoi. Donc, dès que j'ai appris par l'école, Cristiano. Bah, moi, de base, en gros, ma mère était chrétienne, catholique, okay. Mais moi, j'étais pas vraiment chrétien. Et en fait, je m'étais vraiment éloigné de ça, genre totalement éloigné. Okay. Moi, j'étais vraiment à fond dans le monde. Et en fait, à un moment donné, je sentais vraiment un vide partout, dans le sens où j'arrivais vraiment plus à, comment dire, à ressentir quelque chose, même quand j'écoutais de la musique. Wow. Ou même quand je. Ça, t'étais vraiment vide en fait. J'étais vraiment vide en fait. Mmh. Et après, je me suis dit, bah, faut vraiment que je donne ma vie à Dieu. Comme amen. Si je sentais que c'était lui qui allait vraiment tout combler. Amen. Et du jour au lendemain, j'ai vraiment senti que le vide était comblé. Amen. Je sortais en route et j'aimais tout le monde de façon surnaturelle et tout. Wow. Amen. Vous voyez, vous avez des conversions un peu différentes. Bon, lui, ça, toi, ça se fait à la maison. Oui, oui. Toi, ça se fait à l'église, toi, ça se fait dans une réunion. Et toi, une petite blague. Moi, c'était bah, comme le Rax, dans une réunion. En fait, mais raconte bah, un peu le background. Le background. C'est quoi, t'as été invité à une réunion, c'est ça? Ah, voilà, bah, j'étais invité à une réunion. Et j'étais déjà allée à l'église, mais en fait, quand j'étais allée à l'église, bah. J'étais pas. Voilà quoi. J'étais allée comme si c'était une sortie. Et après, on me demandait. On pas Castérix, on va au parc. On me demandait comment c'était et tout, et comment j'avais trouvé. Je disais, ouais, c'était bien, mais sans plus. Okay. Et après, bah, 3 jours après ou 4 jours après, je suis partie à une réunion. Et quand j'arrive dans la réunion. Je suis allée. Mais pourquoi tout le monde dit je suis partie? Tu m'avais déjà dit. Mais oui, c'est ouais, terrible cette fois. Toi aussi, tu dis partie? Non. Toi? Non. Je suis allée. Ouais, allez, juste pas, allez, on y va, allez, oui. Allez, on y va. Oui. On est allé. Donc, je suis allée à la réunion et franchement, bah, j'aimais bien ce qui était prêché, etc. Mmh. Mais en fait, quand on a commencé à prier, bah, y avait la présence de Dieu. Mmh. Mais moi, en fait, je comprenais pas pourquoi les gens priaient à haute voix. Tu étais habitué à ce qu'ils prient doucement. Ouais, à ouais. Catholique, quoi. Et du coup, j'étais là en mode dans ma tête. Il est vas-y. Et du coup. Tu comprenais pas pourquoi ils priaient à haute voix. Ouais, pourquoi. Tu disais quoi? Je me disais dans ma tête, oh Seigneur. Parce qu'en fait. Oh Seigneur. Attends. Est-ce que tu peux me dire à haute voix ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ils pourquoi ils parlent comme ça? Pourquoi ils font ça? Mais où est-ce que je suis atterri? Où est-ce que je suis atterri? Où est-ce que j'ai atterri? Tu es né où? À Bourges. Tu as grandi où? Au Canada. Ah d'accord. Donc, où est-ce que je suis atterri? D'accord. Où est-ce que j'ai atterri? Sorry, I speak English, so yeah. Tu peux dire où est-ce que j'ai atterri en anglais alors? Oh, pardon? Tu peux dire où est-ce que j'ai atterri en anglais? You speak English, so. Where I landed. Vas-y, frère. Vite, 1, 2, 3, tout vite, 1, 2, 3.
C'était quoi? Vas-y. Where I landed. Where I landed? Ouais, lui parle anglais, elle parle anglais. Elle, c'est une escroque. Elle, c'est une escroque. Vas-y. I can speak English. Hein. You can quoi? Yes, I can speak English. Toi, tu parles le bangladeshi. Hein, vas-y, ouais, ouais, comme elle. Moi, j'arrive, je suis sur la route de. D'accord, vas-y, ce qu'elle veut dire. Where I landed. Comment? Where I landed. Ben l'a dit. Non. Vas-y donc, Kindy. Où est-ce que je suis atterri? Dans ma tête. Dans ma tête, je parle pas, je ferme les yeux et je me dis, oh, où est-ce que j'ai atterri? Où est-ce que j'ai atterri? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je suis dans un truc de rituel satanique. Surtout que elle doit matrixer comme tes têtes. Tu poses ces questions. Elle était vraiment chez père. Elle était vraiment perchée. Non, frère. Elle là, elle était une dimension de. Elle jouait au chat perché tous les jours. Elle était. Elle se faisait film dans ce. Non. Il y a des anecdotes que je raconterai pas ici qu'elle m'a raconté. Non. Quand avant, dans son. Indira avant. Ah ouais? Non, c'est c'était vrai. Un truc. Non. Le plus bourrin, ça ne lui arrive pas à la suite. Non. C'est elle qui a créé ça. Donc, tu t'es dit, je suis dans un truc de rituel satanique. Voilà, okay, c'est ça. Et ensuite, bah. D'un coup, je ressens la présence de Dieu. Et du coup, je me dis, oh, et après. J'ai une question, c'est moi qui me viens. Est-ce que tu aurais été capable, genre pendant la réunion, de crier non, je me barre, c'est n'importe quoi? Tu aurais été capable de faire ça ou pas? Non, j'avais pas assez d'audace. Ok. J'étais un peu. Voilà quoi. Ok. C'est pour ça que je parlais pas. Mais du coup, ouais. Et du coup, après, je suis tombée par terre. Enfin, tombée. Je me suis mis à genoux par terre. Je préfère, d'accord. Ouais, je me suis mis à genoux par terre. Parce que je sais pas, c'était. Je sentais un poids sur moi, en fait. Wow. Et j'ai commencé à pleurer après. Tu sentais la présence de Dieu et t'avais une expérience. Et c'est une expérience cool. Parce que là, tu parles de tomber, tu me parles de pleurer. Pleurer, my god. Les gens vont croire que vraiment là, Jésus, ça fait mal au cœur. Non, c'était trop bien. C'était une bonne expérience. Vraiment une paix, en fait. Ce que t'as jamais senti, en fait. Voilà ce que j'avais jamais ressenti. Et j'ai senti vraiment que je rencontrais quelqu'un. Que j'avais jamais rencontré. Et je sentais que, tout allait mieux, en fait, dans le futur. Amen, c'est ça. Parce que de la manière que le bébé, lorsqu'il vient au monde, il pleure. Mm-hmm. Il pleure pourquoi? Parce qu'il vit quelque chose de nouveau, en fait. Mm-hmm. Nous aussi, de la manière on sent quelque chose de nouveau, on vit une expérience nouvelle, mais c'est très très positif. Oui, très positif. Donc, d'accord. Et aujourd'hui, ça va? Ouais, ça va trop bien. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu es en Christ et tout va bien. Maintenant, ça fait des années donc, que vous êtes chrétien, pour la plupart d'entre vous. Et j'aurais donc une question à vous poser, et là je passe en mode inspecteur, c'est quelles sont alors les clés, les conseils que vous donnerez à quelqu'un qui a accepté Jésus il y a quelques temps, qui vient juste de se convertir? Vas-y. On dirait de s'abandonner. Parle moins fort là, parce que vraiment, faut vraiment pas qu'on t'entende. Réellement s'abandonner. Vas-y. Non, je dis réellement s'abandonner, faire confiance au Seigneur, et vraiment développer une vraie vie de prière et... Ok, là il y a plein de trucs, faut choisir un truc, Indira, un truc. Moi j'irais de suivre ses leaders. De suivre en gros, d'écouter les conseils en fait que les gens par exemple qui t'ont gagné à Christ ou les gens dans l'église ou à laquelle tu as accepté Jésus, etc., te donnent. Parce qu'en fait ces personnes-là, ça fait plus longtemps qu'elles sont dans la vie chrétienne. Tu prends de l'expérience de quelqu'un qui est déjà. C'est ça. Et moi ça m'a beaucoup aidé à ma conversion, après ma conversion, donc je donnerais ce conseil-là également. Amen. Écouter les conseils, tout ça. Vous savez, il y a un frère qui a dit un truc ici, Pérec, à un prime, il a dit une phrase vraiment qui paraît tellement anodine, que j'ai beaucoup aimé. Il a dit: arrête d'être paranoïaque, tout le monde ne te veut pas du mal. Il y a des gens qui t'aiment et qui te veulent du bien. On est tellement des fois concentré sur le fait de, il y a des haters, j'ai des couteaux dans le dos, j'ai des jaloux, mon dos est musclé parce que j'ai des jaloux derrière. Ils parlent dans mon dos, les haters parlent à ma main. Voilà, que des trucs comme ça, vous voyez. Et bien, au-delà de ça, il y a des gens qui t'aiment et il y a des gens qui veulent ton bien, en fait. Et il faut pas paranoïaquer, je ne sais quoi, comment on dit, être paranoïaque. Personne n'aime. À l'église, tout le monde est contre moi. Que des faux prophètes et des sorciers. Donc on en a rasé. Est-ce qu'il a des fruits? Non, trop de choses comme ça. Des fois, il faut savoir se poser. Et accepter le fait qu'il y a des gens qui m'aiment. Il y a des gens qui veulent mon bien. Oui, mais pourquoi ils m'aimeraient? Pourquoi ils voudraient mon bien? Ils sont remplis de l'amour de Dieu. Quand tu t'aimes
et ils veulent t'aider et ils veulent ton bien. Alors il faut les écouter, écouter les conseils. Et lorsque vous intégrez une église, vous intégrez une structure, Dieu met toujours des leaders au-dessus de vous, vous voyez. Il met toujours des leaders au-dessus de vous et une clé, comme tu partages là, c'est les écouter, leur faire confiance et vous éloigner des personnes qui critiquent vos leaders. Parce que les gens qui critiquent vos leaders sont des gens qui sont bizarres avec Dieu. Tu critiques tes leaders. Moi je m'interroge sur ta relation avec Dieu. Tu peux avoir une vraie relation avec Dieu, une vraie communion avec Dieu, tu parles mal des leaders. Tu as un bon gros charnel et tu es même bouché tellement t'es charnel. Ah, c'est de la viande, toi c'est du bon steak. Ah, c'est de la bonne côte de bœuf. Poli toi alors les conseils que tu donnes. Moi un conseil c'est un peu en lien avec Indira, je dirais trouver une bonne église et être stable dedans. Vraiment c'est-à-dire une bonne église où on grandit aussi spirituellement. Il y a plein d'églises mais qui sont pas forcément toutes bonnes, donc vraiment trouver une bonne église, être stable et du coup pour rejoindre Indira, écouter les personnes qui sont dans cette église qui te font rejoindre Indira. Ou pour répéter ce qu'Indira a dit. Non, parce que la maison. La maison. Allons à la maison. Allons à la maison. Hey. Non, mais c'est pas vrai ça. Hey. C'est qu'on entend au micro. Hein. Moi je dirais vraiment se focaliser sur la parole. Passer du temps dans la parole de Dieu, via la Bible. Ouais. La Bible pour apprendre à penser comme Dieu. Parce que dans le monde, il y a un autre système de pensée. Du coup, il faut apprendre à vraiment renouveler ce système-là. C'est vrai, c'est vrai, parce que le monde nous amène, nous donne une certaine manière de penser, une certaine manière de voir les choses, de considérer même les personnes, tout ça, tout ça. Mais la Bible, c'est comme. Comment est-ce que je peux dire ça? C'est le mode d'emploi de comment est-ce que Dieu pense. C'est le mode d'emploi de comment est-ce que Dieu voit les choses. C'est ça en fait. Et ce serait donc, comme tu dis, lire la Bible afin de renouveler sa pensée, de mettre la pensée de Dieu à l'intérieur. C'est vrai qu'on a dit que la vie chrétienne, c'est être like Jesus, c'est être un Jesus-like, c'est être son successeur, c'est faire comme lui. Et pour faire comme lui, il s'agit de penser comme lui. Et pour penser comme lui, il s'agit de remplir sa tête de sa pensée et la parole de Dieu. Quelque chose que j'aimerais ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est vraiment comme Steven t'avait dit, s'abandonner à Dieu, n'est-ce pas? Et s'abandonner à Dieu, c'est aussi lui poser des questions et je pense que c'est important de dès sa conversion apprendre à poser des questions à Dieu, par exemple par rapport à l'église, genre dans quelle église je dois aller Seigneur, par rapport vous avez accepté Jésus dans une église, vous êtes dans une bonne église, c'est des questions à ne pas poser. C'est des questions que les gens qui n'ont pas d'église posent. Mais les gens qui ont une église, ne posez pas cette question là oui est-ce que je suis dans une bonne église, non, les trucs de paranoïaque là il faut arrêter. Tu as accepté Jésus, tu es quelque part, reste là mon frère. Si Dieu voulait que tu sois ailleurs, il t'aurait mis ailleurs. Tu es là, reste là, c'est tout. Ouais, du coup, poser des questions à ses leaders même, et poser des questions aussi... Être vraiment curieux, être vraiment s'intéresser en fait. Ne pas seulement dire, voilà, j'ai accepté Jésus, maintenant je vais à l'église les dimanches, je fréquente des réunions dans la semaine de mon église, tout ça, mais vraiment approfondir. Poser des questions, pourquoi les anges, comment on fait pour voir un ange, comment on fait pour entendre Dieu, comment ça, c'est vraiment, voilà. Voilà, exactement. Lorax. Passer du temps avec Dieu. Dans l'adoration, dans la louange et parler avec lui aussi. C'est vrai que maintenant que vous êtes chrétien, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous avez accès à Dieu. Vous avez, my God, ça c'est vraiment un truc, je sais pas si on se rend compte vraiment. On a la grâce en Christ d'avoir accès à Dieu à n'importe quel moment. La Bible dit, l'Éternel dit, on ne se présentera point devant moi avec les mains vides. Mais il y a quelqu'un qui a présenté un sacrifice de manière à ce qu'on ait un laissez-passer jusqu'à la fin en fait. Ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Il a présenté un sacrifice de manière à ce qu'on puisse tous se... Voilà pourquoi à la fin de la prière on dit au nom de Jésus, parce que c'est par l'acte que lui il a posé. On se présente devant Dieu, n'est-ce pas? Et on peut accéder à Dieu par le sacrifice de Jésus. Peu importe qui vous êtes, peu importe ton âge, ton origine, ta couleur, ton ethnie, ton quoi d'autre encore. Peu importe même ton passé, peut-être que toi tu étais un méchant péché. Peut-être que toi tu étais le plus grand criminel. Peut-être que tu étais vraiment un criminel. Peut-être que tu étais le plus grand braqueur de France. Peut-être que tu étais le plus grand dealer de France, voleur de France. Ah bah oui, tu volais des vélos dans les jardins. Dans toi, c'est ça, non? Dans le jardin. Oui, si tu nous as raconté que t'avais sauté, après t'avais abandonné le vélo. Non, c'était un quad, t'avais abandonné dans le champ. Un quad? T'avais abandonné parce que tu démarrais pas? Non, mais quel bourrin, ils prennent un quad, ils ont pas les clés, ils savent pas le démarrer. Et Mais là, c'est beaucoup sur le passé en ce moment. Qu'est-ce qui se passe là? Donc je disais que vous avez accès à Dieu. Gars, ça veut dire que, écoutez, on peut faire un exercice. Mais comment c'est un exercice? Oui. Ok, regardez tous. Fermons tous les yeux sur le plateau. Fermons tous les yeux, public et chers chroniqueurs.
Bon, moi je chante pas parce que sinon c'est bizarre si l'animateur ferme. Sinon, si les caméramans ferment, vous imaginez, c'est tout quoi s'éteindre. Fermez tous les yeux et vous allez voir. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je suis dans ta présence. Parce que je suis dans ta présence. J'ai accès à ta présence. J'ai accès à ta présence. Par le sacrifice de Jésus. Par le sacrifice de Jésus. Peu importe qui je suis. Peu importe qui je suis. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Maintenant. Maintenant. J'ai accès à ta présence. J'ai accès à ta présence. Je la sens. Je la sens. Elle me remplit. Elle me remplit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, au travers juste une petite prière, vous avez accès à la présence de Jésus. Amen. Comme tu le dis, Steven, c'est un conseil qu'on peut vous donner, c'est passer du temps avec Dieu. C'est même là-bas c'est dans la présence de Dieu qu'on est transformé. Qu'on est transformé. C'est là où on apprend à le connaître. C'est là où on apprend à le connaître. Beaucoup de personnes veulent évoluer, veulent être transformées. Vous savez, lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on a accepté Jésus, on était rempli de fautes, de mauvaises addictions, de mauvaises habitudes. On avait plein d'addictions chacun. Des addictions plus ou moins graves, vous voyez. Il y a certains, par exemple, qui étaient addicts à la drogue, d'autres étaient addicts, par exemple, Les jeux vidéo ? Non, pas les jeux vidéo. Les jeux d'argent ? Non, les calomnies, le fait de parler dans le dos. Beaucoup étaient addicts à ça, au fait de parler dans le dos. Beaucoup étaient addicts à ça, au fait de parler dans le dos, de calomnier les autres. Je rigole pas du tout en plus. Bon. Bref, on avait certaines addictions, mais tous ces trucs-là sont partis lorsqu'on s'est rapproché de Dieu. Quelqu'un qui disait, comment s'éloigner du monde ? Rapproche-toi de Dieu. Amen. Tu te rapproches de Dieu. Bah, plus eux. Regardez bien. Bon, vas-y. Mets ta main là. Comme ça ? Mets ta main là. Voilà, ok. Qui est le monde, qui est Christ ici entre vous? Moi, Christ. Steven, c'est Christ. Steven, c'est Dieu. C'est Dieu. Oli, tu fais quoi, toi? Tu veux quoi? Tu peux le dire? Dans ce cas de figure-là, le monde... On rappelle ce que c'est le monde. Le monde, c'est un peu le système de pensée instauré par le diable. Voilà, tous les trucs bizarres là, qui nous amènent de Dieu. On va résumer ça comme ça, tout simplement. Ok? Regardez bien. Moi, là, je suis là, ok? Moi, je m'appelle comment? Là. Non, trouvez-moi un nom comme ça. Ben. Tu l'as déjà pas ? Gilbert. 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 Là, je suis Gilbert. Donc là, Gilbert est là comme ça. Ok, Gilbert est là comme ça. Et Gilbert, il était dans le monde. Maintenant, Gilbert, il accepte Jésus. Ça veut pas dire qu'il atterrit là. Ça veut simplement dire que Gilbert, il est là, mais il a Jésus dans son cœur. Maintenant, Gilbert veut s'éloigner de là. Comment faire ? Eh bien, il faut se rapprocher de Dieu. Amen. Il ne faut pas se concentrer sur le fait de s'éloigner du monde, mais sur le fait de se rapprocher de Dieu. Parce que plus je me rapproche de Dieu, regardez bien, voilà. Plus au final, inconsciemment, je m'éloigne du monde tout simplement. Donc, un conseil, passez beaucoup de temps avec Dieu, rapprochez-vous de Dieu et vous allez voir que le passé va être vite passé. Et aussi, pour continuer tout dans ton exemple, il faut bien se dire aussi qu'en fait, ce n'est pas le monde qui va reculer. Parce que beaucoup de personnes se disent que... ça va partir avec le temps. Wow. Non, le monde ne part pas, c'est toi qui pars. Exactement. Ça c'est vraiment très bon point. C'est pas le monde qui part de notre vie, c'est pas non, c'est nous qui quittons le monde. Yeah. C'est nous qui quittons. Amen. C'est pas le monde qui allez monde, allez soit. Allez va-t'en. Quoi d'autre? Non quoi? Allez mouf. Fous-moi le camp. Casse-toi. C'est la violence. Casse-toi là. J'en mets mes lunettes hein, ce gars. Casse-toi. Maintenant un truc marrant, vas-y. Dégage. Bon mouf. Regardez bien. Le monde, comme tu dis, ne va pas partir. Regarde, ta main est toujours là. Voilà, malheureusement. Ta main. Voilà, mais c'est à moi de partir, de quitter ce stade-là. Quelqu'un dira, mais comment partir, comment quitter le monde pour arriver maintenant à Dieu? Il ne s'agit pas de déménager, mais le monde là, c'est un lieu mental, c'est un lieu spirituel. C'est une sphère un peu dans laquelle on pense d'une certaine manière, on fait quelque chose. Donc comment faire? Lis la parole de Dieu, passe du temps avec Dieu. Tu vois, comme mentalement, spirituellement, tu vas quitter cet état-là. Pour atterrir dans l'état de Dieu dans la vie. Alléluia. Bon, j'aimerais qu'on fasse un petit freestyle là. On a commencé au début. La régie a préparé une petite musique. Qu'on fasse un petit freestyle de la conversion. Petit freestyle de je suis chrétien. Est-ce que vous êtes rempli du Saint-Esprit? Yes. Toujours. Oh, il n'a pas répondu. Yes, je vois sa présence. Ah, oh. Ok, petit freestyle en Christ. Yeah. Ok, qui veut commencer? Christian. Oli. Christian. Oli. 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 Oli.
Holy, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy, 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 Hey, 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 hey. Accepter Jésus, c'est la meilleure décision. Non, faut rebondir. Bon, vas-y. Jésus, c'est la meilleure décision. Décision, décision, décision. Décision. Décision, décision, décision. Pourtant, il est dead. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Je la passe à Indy. Et la passe. Et la passe du race. Montre-moi comment t'es zélé. Montre-moi comment t'es zélé. T'as accepté Jésus. Il est dans ta vie. Alors pour lui tu vis. Fais la passe à Christian, enfant de Dieu. Fais la passe à Christian de Jésus, il est enfant. Moi je suis Jésus, je peux gagner plein d'âmes. Parce que je suis zélé, je vais les enflammer, les ressusciter, et ensuite les gagner. Pour que le troisième jour, ils aillent prêcher. Alléluia. Voilà, et à vous ne voyez pas, mais il y a quelqu'un dans la caméra qui me dit à toi, laisse-moi tranquille. Souvent par que je l'avais fait, ouais. Je me souviens plus, c'était quoi déjà? Conduit par l'esprit, animé par l'esprit, la taracane. C'était quoi déjà? Je pourrais racheter le PSG. D'accord. Alors, on parlait donc. C'est quoi? Il y a une émission qui s'appelle T'écoutes quoi, partie 2. Vous aviez aimé la partie 1 qui arrive. On va la tourner dans une semaine qui arrive. Et je poserai moi-même un freestyle. Préparer un freestyle avec ces lunettes là, ces lunettes de. Vous savez, ces lunettes en fait anti-lumière bleue en fait. On ne peut pas avoir mal aux yeux. On ne peut pas avoir mal aux yeux quand on évangélise tard la nuit. Je disais donc, voilà, on vous a un peu donné quelques astuces. On a parlé de jeunes chrétiens. Vas-y en anglais, jeunes chrétiens, comment on dit? Par où commencer, jeunes chrétiens? Par où commencer? Oui, mais en anglais. Young Christian, how do we start? Young Christian. Amen. Non, vas-y, un time chat. Young Christian. Ouais. Yeah. How do we start? How do we start? Attends. Est-ce qu'on peut clôturer tous en anglais? Okay, so guys, it was a real pleasure to spend this time with you guys. A fresh time, you know what I'm talking about. Yeah. We speak English. Yes. You speak English too. Yes, we speak English in the black. Okay, so what do you think about the link between Jesus and between Jesus and what do you think about that, Jesus being the Lamb of God? What do you think about my God? Yes, tell us. Yes, bro. Jesus is good. My God is Jesus. Okay, Olisa, can you close this meeting now? This fresh meeting, this fresh show, you know, this fresh TV show, you know, because fresh is a TV show, not just a, you know what I'm talking about. So, go ahead. We can say, keep going. Where is Brian? In the kitchen. In the room. Brian is in the kitchen. Brian is in the kitchen. C'est la célèbre phrase qu'on dit pour l'anglais. Je disais alors. On va clôturer dessus. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit très prochainement, guys. Stay fresh.